Comme une véritable femme de cœur, Nana Mbaya Mandek a tenu fêter son anniversaire avec les orphelins. La présidente de l'ASBL, Luxe Geste Déco, s'était rendue à l'occasion à l'orphelinat Carlino. Nana Mbaya y avait apporté plusieurs vivres devant permettre à ses enfants d'avoir quoi se nourrir régulièrement. Au micro de Nicole Pocho, la bienfaitrice n'a pas manqué de donner les motivations de son action. Dans mon pays, à Kinshasa, parce que j'ai des projets aussi pour mon pays. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et on verra. C'est pour cela que j'essaie de démotiver tout le monde, essayer de mettre la main, essayer d'apporter une pierre à l'édifice pour que tous nous puissions être unis et nous puissions faire beaucoup de choses. Comme toute organisation, l'ASBL Nana Luxe Geste Déco comporte également un personnel qualifié. Les collaboratrices de la Dame des Fers n'ont pas manqué de saluer ces gestes posés à l'endroit de ces démunis. C'est avec grande joie que je me suis décidée à réserver mon billet d'avion, à récolter avec elle des biens et à donner ma participation pour venir ici. Parce que comme on dit, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des orphelins. Il est là, il pourvoit. Je suis sûre que c'est lui qui agit au fond de nous tous qui sommes ici. Les orphelins du centre Carlino ont également bénéficié à ce jour de la prestation de l'artiste comédien Saï Saï. Ce dernier a égayé les enfants par son talent d'humoriste hors pair. Mon sentiment est vraiment positif d'avoir participé à l'Ikambamunene Boye où maman Nana a organisé pour fêter Naba na Barfelin. Nous avons bien Azali Nzambi à Barfelin, Azali Mouba et Baveuve, Azali Papa et Barfelin. Entre temps, nous avons dit qu'il n'y a jamais en physique au Tigre Bangolos. Donc, veut dire faut battre l'ata qui papa et Barfelin. Voilà. Pour basali l'anzambe musala oh ya lobaki mais akusala onka à travers bateau. Donc voilà la raison pour laquelle tu beteli maman nana mabuko na mité manabiso. Le pasteur Henri Papa Moulaja était également de la partie. Ce chantre a été impressionné par ce geste posé par l'ASBL Luxe Geste Déco. Avec ces enfants qui en ont besoin, les démunis qui ont besoin de notre sourire, de notre partage, vraiment c'est très encourageant. Quand on m'avait appelé, j'ai dit non, je dois tout faire pour être là parce que c'est une très bonne chose qu'au jour de son anniversaire, ça m'a inspiré aussi. Moi aussi, le jour de mon anniversaire, je vais chercher un orphelinat pour partager un moment de joie avec les enfants. Vraiment, que Dieu te bénisse encore, qu'il t'accorde 80, 70, 90, 100, 100 ans pour que tu fasses encore du bien aux enfants et que tu leur apportes le sourire. Spécialisée dans la déco des événements, Nana Mbaya Mandek est en quête des partenaires afin de lui apporter main forte pour pérenniser cette œuvre en faveur des nécessiteux.